Merci, papa. Oh, les bons temps. Je ne croyais que l'argent était la source de mon bonheur, que la médecine avait réponse à tous mes maux. Ils m'ont dit que l'autre mystique garantissait mon avenir. Je me suis livré à la vie sans savoir ce qui m'attendait. Moi, je croyais que l'argent était la source de mon bonheur, que la médecine avait réponse à tous mes maux. Ils m'ont dit que l'ordre mystique garantissait mon avenir. Je me suis livré à la vie sans savoir ce qui m'attendait. Sur la route de ma destinée, j'ai reçu des coups qui m'ont paralysé. Mes amis sont devenus mes ennemis. Mes compagnons sont devenus des moqueurs. Même ma famille m'a tourné le dos. C'est dans cet état Christ m'a tendu les mains. De la misère, il m'a retiré. Il m'a lavé, il m'a rendu précieux. De la boue, il m'a retiré. Enlève tout de plus beaux habits. Oh, je reconnais ce grand amour qu'il a pour moi. Je reprends ça. Je reprends. Alléluia. Je reprends. Je croyais que l'argent était la source de mon bonheur, que la médecine avait réponse à tous mes maux. Ils m'ont dit que l'ordre mystique garantissait mon avenir. Je me suis livré à la vie sans savoir ce qui m'attendait. Sous la route de ma destinée, j'ai reçu des coups qui m'ont paralysé. Mes amis sont devenus des ennemis. Mes compagnons sont devenus des moqueurs. Et ma famille m'a tourné le dos. C'est dans cet état tendu l'air. De la misère, il m'a retiré. Il m'a lavé, il m'a rendu précieux. De la boue, il m'a retiré. M'a rêvé tout de plus mes amis. Oh, je comprends ce grand amour qu'il a. Thank you.
Tu peux lui dire merci, notre Sauveur. Tu peux lui dire merci. Tu peux lui dire merci. Je te demande de chanter pour ton Dieu. Chante pour ton Dieu. Ce soir, chante pour ton Dieu. De nouveaux cantiques. Tu peux chanter dans ton itinéraire. Chante pour ton Dieu. Chante, chante. Il veut t'entendre chanter. Il veut t'entendre chanter. Les musiciens, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Nous voulons faire une adoration à notre Dieu. Jouer des mélodies. Chacun chante, chante, chante. C'est une occasion. Oh, la machine, 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 la machine,
À toi que toute la création est soumise à ton autorité. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta fidélité. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, thank you. Thank you for the opportunity to love you. The opportunity to know your God. The opportunity to touch your ways. The opportunity to touch your love. The opportunity to touch your anointing. The opportunity to be among the people who are using it as justice. I appreciate it. Et si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Si je suis en vie, ce n'est que par ta grâce. Si je suis en vie, ah!
ça. Ce que sa bouche a dit, ma voix l'a saisi. Ce que sa bouche a dit, ma voix l'a saisi. Ce que sa bouche a dit, ma voix l'a saisi. En 2018, ce que sa bouche a dit, ma voix l'a saisi. Chanter comme ça, si quelqu'un n'a pas l'argent dans sa poche, et puis on dit Dieu m'a tout donné, dit ça là. Mais c'est ça, on prend ça par la foi. Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, est-ce que c'est l'argent qui va tout donner? Comment pousse la cri de joie? Ma voix l'a saisi, ce que sa bouche a dit.
là, je dis, mais Seigneur, pour me démontrer quelque chose de réel et de vrai, permets que le chant de la soit dans les couleurs de Celebrities Night. Je n'ai rien dit qu'il casse habillé. Non, je n'ai pas demandé s'habiller en bleu. Et puis quand je l'ai vu en train de chanter, je me suis dit, mais c'est ce que tu as demandé, alléluia. Il est dans les couleurs de Celebrities Night. Vraiment, vous dites que Dieu est un, que cet esprit est un. Alléluia. Pour lui permettre vraiment de rentrer pour d'autres missions, nous allons étendre nos mains vers lui, rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Bénissons le Seigneur pour son ministère. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, nous t'élévons plus haut. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis son ministère, raccompagne-le en paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux rendre témoignage, chant de l'Éternel. Aujourd'hui, peut-être je pourrais te dire ça à part, mais je veux te dire ça aujourd'hui devant le peuple de Dieu. Cette chanson, Dieu peut tout donner, cette chanson-là, c'est une chanson, c'est-à-dire qui réveille mon esprit. Amen. En tant que servant de Dieu, je te dis la vérité aujourd'hui. Et je l'ai désiré du fond de mon être. Je t'ai vu dans des programmes. On a invité des serviteurs de Dieu, on avait des programmes, Assemblée de Dieu à jamais, d'autres programmes. Tu allais même jusqu'au village de mon mari, à Gaumont. Mais de loin, je t'ai vu. Je n'ai pas voulu t'approcher, mais je t'assure que mais des fois, juste à présent, quand je prépare certains messages, je m'inspire de ton chant. Je suis là, je mets le chant, et puis l'Esprit de Dieu me parle. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fasse que je rencontre, c'est vrai, je l'ai vu. Mais ce n'est pas une affaire de prière. Si vraiment, cette chanson, l'onction que tu as mis sur lui, travaille tellement en connexion avec moi, je veux le rencontrer. Et puis un soir, on revenait, la première fois qu'on devait te rencontrer. On revenait, on était dans la voiture, il faisait déjà nuit même. Mais je ne sais pas comment mes yeux t'ont aperçu dans le noir. Je vous assure, il faisait nuit, on rentrait d'un long voyage. Et voici, il rentrait, il prenait la porte de Paris aussi. J'ai dit à papa, voici cet homme. Allez, comment on va le prendre? On ne sait pas où il va. De toute façon, il a plus la route, peut-être qu'il va chez nous. Il dit, tu es sûr, est-ce que c'est lui? J'ai dit, c'est lui. Je le reconnaîtrai parmi mille. Et ce jour-là, on l'a pris. Et la manière dont on a échangé, c'était simple. C'est comme si on se connaissait il y a longtemps. Et c'est depuis ce jour qu'il a fait de cette maison sa maison. Bénis le Seigneur pour ton ministère. Alléluia. Dieu qui t'a inspiré. Tu n'es pas femme pour connaître ce problème d'avortement. Ce n'est pas ce problème que j'ai connu. Mais cette foi, que le Seigneur t'a inspiré, que le Seigneur, je prie, que Dieu t'élève au-delà. Et je suis sûr que ce que Dieu veut faire de toi, ce n'est pas encore à ce niveau. Amen. Je prie en cette fin d'année, que l'année qui vient, le Seigneur t'élève. Amen. Que Dieu te fasse connaître tes horizons. Amen. Que ce message de foi, de persévérance dans la foi, d'endurance dans la foi que tu portes, t'envoie-le, guéris les malades et fasse les rêves au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame pendant que... Vraiment que Dieu vous bénisse, vous êtes beau ce soir, vous êtes beau.
belle ce soir. Je vous vois bien têtu, bien habillé. Vraiment, que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Est-ce qu'on peut connaître nos invités, la vie des personnes qui sont là pour la première fois, qui nous rendent visite, les gens qui sont là pour la première fois, toute première fois, qui sont là, qui nous rendent visite. Tous nous sommes des anciens, gloire au Seigneur. Amen. Ah, il y a un frère. Voilà, frère, que Dieu te bénisse. Une seule dernière, c'est de vous lever. Voilà. Je vous bénisse. On peut les acclamer très fort dans le nom du Seigneur. Amen. Voilà, bon arrivée. Qui vous a invité? Ok. Le bon, tu as fait un bon travail. Que Dieu te bénisse. C'est quel sycomore? Quel sycomore? Azer. Ok, d'accord. Avec le FTT Koufi. Voilà, que Dieu bénisse l'église. Ce sont les deux invités seulement ce soir. Alléluia. Ce sont seulement les deux invités. Ok, Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Amen. Nous allons poursuivre notre programme. Mais avant de continuer, je voudrais que tu lèves simplement et que tu salues un voisin, que tu salues une voisine, tu lui dises une parole. Tu lui dises une parole de santé, une parole de santé. Amen. 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 Voilà, que Dieu nous bénisse. Tu es le Dieu. Vers le lion conquérant, vers l'alpha et l'oméga, élève simplement tes mains.
Ce moment a été longtemps préparé. Et Dieu est au rendez-vous. Et le Saint-Esprit est là. La puissance divine est là. La portion est là ce soir. Cette portion te fera entrer en 2018. Mais je dis, elle est une portion rare, une portion spéciale, une portion particulière que Dieu a préparée pour toi. Comme des anges qui transportent à chacun d'entre nous une coupe spéciale, un ordre sera donné, un signal sera donné. Ils se dépêcheront. Ils viendront vers toi pour verser la coupe qui a été préparée depuis un certain moment pour toi. Il le fera certainement cette nuit.
L'image qui me vient à l'esprit maintenant, c'est l'image de l'entrée triomphale de Jésus. L'entrée triomphale de Jésus. Pendant que je reste couché, le maître rentre. Et toi, tu peux te tenir debout maintenant. Et tu peux acclamer, tu peux ovationner. Now we are Goroba.
Ce chant, il y a plusieurs versions. Mais celui-même qui a initié ce chant, c'est un pasteur Koumen. Il vient de la région de Grabo, justement d'un village qui s'appelle Maïmo. Le pasteur Bakou est celui qui a composé pour la première fois ce chant. Donc, moi je chante plus dans la version Koumen. Il y a d'autres versions, quand ça me suit, je chante, c'est plus dans la version Koumen. Le dispositif derrière, je suis en train de venir, je ne peux pas venir, ceux qui sont dehors. Je ne peux pas venir, ok. Voilà, soyez diligents, on va avancer au fur et à mesure pour nos temps. Ça va? Awiya, Goropa. Awiya, oh oh. Awiya, Goropa. Awiya, Goropa. Awiya, Goropa. Goropa. Awiya. We are Kuluba.
Esprit, l'autorité, la gloire de Christ, du lieu où tu
le moment où tu m'entends. La puissance de Dieu jusqu'à toi maintenant. Recevez la vie du Seigneur, recevez l'autorité de Dieu,
recevez la force de Dieu, recevez la santé, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut se réveiller à acclamer très fort le nom du Seigneur. Cela ne cessait de venir dans mon esprit. IL de Bethel. Lorsque vous allez dans le livre de 1 roi, le chapitre 16, la dernière fois quand je parlais de soleil à l'être sur Gabaon, j'ai essayé de toucher cela un peu, mais je suis pas allé trop un peu dans les détails. Mais ce soir, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur voudrait que je me saisisse de sa parole ce soir, cette nuit, pour dire une chose sur ta vie. La parole qui sera déclarée aura des effets positifs dans ta vie. Parce que quand j'ai lu le texte, ça cache un peu. Nous sommes suivis, donc il faut que ça soit bien fait. Voilà. Amen. Voilà, il y a des derniers qui nous suivent du moins, qui sont quelque part sous d'autres cieux, qui nous suivent, donc voilà. Amen. 1 roi, le chapitre 16, verset 34. De son temps, il de Bethel, bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségou, son cadet. Selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Une femme peut se lever, lire encore ce passage dans la version qu'elle a. Je veux la voir, une femme, une voix féminine, qui peut se lever. Tu devais le faire avec beaucoup de zèle, beaucoup de... Parce qu'en le lisant, Dieu te visite. 1 roi 16, verset 34. 1 roi 16, verset 34. Mm-hmm. De son temps, oui. Iel de Bethel bâtit Jéricho. Mm-hmm. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il posa les portes aux frais de Ségou, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noun. Amen. On dit selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noun. Fils de Noun, Josué, fils de Noun. Josué, serviteur de Moïse. Vous connaissez bien l'histoire que Josué fut la personne que Dieu a suscité après Moïse pour faire entrer le peuple d'Israël qui était en exode sur la terre promise à Abraham, Isaac et à Jacob. Dieu avait promis au père, au patriarche Abraham, que sa descendance devait séjourner en Égypte. Au bout de certain temps, il devait rendre ce peuple-là fort, parce qu'à la fin, il dit que ce peuple-là, dans Exode 3,
verset 21, le verset 22, il dit là-bas que ce peuple allait dépouiller les Égyptiens et sortir de l'Égypte avec de grandes richesses. Dans Exode 3, verset 21, le verset 22. Et c'est pendant l'Exode, il y a eu cette lutte, ce grand combat. Hier, nous avions parlé de ce combat. La conquête de Jéricho. La Bible nous a révélé que c'est par la louange, simplement par la louange, que cette tour fortifiée a été renversée. Dans un moment de douleur, parce que vous imaginez, Jéricho n'était pas comme ce temple-là. Jéricho était une belle ville, une grande ville. Et fait 7 fois le tour en un seul jour. Frère, quand on lit comme ça, c'est facile à entendre. Mais quand tu regardes, c'est pas facile. Tu t'imagines, si tu dois descendre au carrefour, deux plateaux en bas là-bas, tu ressors vers l'échangeur, tu remontes vers l'échangeur de l'autre côté là-bas, avant d'arriver à la vie ou ces techniques, puis tu remontes vers le carrefour des camps, tu ressors vers le carrefour du zoo. Au fur et à mesure, ce tour-là, pendant un seul jour, pendant 7 fois. Ouais. Et il devait faire chaud parce que le climat dans lequel ils étaient là-bas, quand on regarde un peu, ça devait être un endroit où il devait avoir beaucoup de soleil. Et donc, il fallait faire 7 fois le tour. Ils ont vaincu au tranchant de l'épée de Josué tous les habitants de Jéricho. Toute la ville a été dévouée par l'interdit. Et Josué a prononcé une parole. Il a dit, quand ils ont fini d'avoir la victoire sur Jéricho, il a dit, malheur, quiconque devra rebâtir cette ville va poser des fondements sur au prix de son aîné, son fils aîné. Suivez-moi bien. Quand il va poser les fondements, c'est-à-dire que celui qui aura à cœur, qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit un homme d'un moyen de Dieu, qui qu'il soit, quand il aura à cœur de rebâtir Jéricho, cette ville que nous avons frappée par l'épée, par la puissance de la loi, par l'autorité, par l'ordre de Dieu, quiconque va se lever des années plus tard, quelles que soient les années, les siècles, et qui va vouloir rebâtir cette ville, alors, au fondement, quand il va faire tracer les fondements, quand il va poser les fondements, les premiers murs, quand il va couler certainement le béton, il y a une pointe là, il faut la donner. Quand il va poser les fondements, alors son fils aîné va mourir. Son aîné va partir. Amen. Et il continue, il dit, quand il va poser les fondements, son aîné va mourir. C'est au prix de son fils aîné que cela sera fait. Mais ça ne va pas s'arrêter là. S'il veut qu'il monte les murs, qu'il fasse tout, qu'il mette la toiture, qu'il fasse tout ce qu'il veut faire. Mais quand le temps sera venu de poser les portes, c'est au prix de son dernier fils, son plus jeune, qu'il va payer le prix. Cette parole-là est laissée là. Jésus a parlé. La parole est laissée. Les années sont passées. Les années sont passées. Les gens sont venus, ils ont vécu, ils ont fait des choses. Personne n'osait bâtir la ville, rebâtir la ville sur ses fondements. Il y a eu cet homme-là, hier de Bethel, un homme zélé, un homme bien, un homme engagé, un homme de pouvoir, de puissance d'autorité. Il a eu à cœur de rebâtir la ville. Quand il a commencé à poser les fondements, son fils est né, paf, le monsieur est mort. L'enfant est mort. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'enfant est mort. Et il a continué à travailler. Il a continué à travailler. Il a élevé les murs. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a fait tout. Il a élevé la muraille. Et quand le temps est arrivé, il posait maintenant les portes à
la parole par la prière de Dieu. Son plus jeune fils, certainement il aimait beaucoup. Lui aussi, paf, il va mourir. C'est là qu'il va pouvoir se poser des questions. Et quand on va fouiller, on va le trouver effectivement. Il y avait une parole qui avait été déclarée sur Jéricho par la bouche de Josué, l'homme de Dieu, celui que Dieu a suscité après Moïse. Une parole avait été déclarée. Cette parole-là,